Cela fait maintenant plus d'un an que j'ai commencé à travailler avec Liberty Rider, l'application qui sauve des motards. J'ai pu faire leur rencontre il y a 7 mois maintenant, grâce au salon du deux-roues. Durant le repas, Manu, un des fondateurs de cette start-up, me propose une idée. Mec, ce serait cool qu'on se fasse un road trip dans le sud. Grosse route, grosse maison. 15 jours plus tard, je reçois un appel de Manu. Mec, ce road trip dans le sud, on va le faire. Trouve-moi des motovlogueurs. Et avec la team, je m'occupe des sponsors. Parmi eux, on a pu compter Moto Blues et Total, qui nous ont fourni un maximum de cadeaux pour notre communauté. Ça, c'est vraiment cool de leur part. L'assurance AXA Club 14, qui nous ont équipé de gilets airbags. BMW, avec des motos tout bonnement incroyables. La région Occitanie, avec ses paysages à couper le souffle. Ah oui, ce road trip, il a un nom. Adventum. Une semaine entre potes, sur des routes et des paysages de folie. Pose-toi, mets tes écouteurs, et laisse-toi prendre au cœur de notre voyage. So long, so long, so long.
Allez! Ah, scheisse! Cool. Franchement, dis-moi si ma valise est grosse ou pas. Non mec, ta valise est deux fois plus grosse que toi, c'est comment? N'importe quoi. Adventum. Ben, ouais, on part tous les trois à Adventum. Non, je viens pas. Ça va ou quoi, frérot? Ça va, frérot? Oula. Oula. Il veut déjà m'embrasser. Pizzeria à côté de du Tello. Pizza ce midi, les gars, ça part bien ce petit. C'est de la qualité. Putain, tu m'as fait perdre sa mère. Oh la vache, elle a crise cardiaque, mon pote. Mais t'es complètement con. Mais t'es débile. Ah! Ah non, non, non! D'un coup, on paye tout, madame! D'un coup! On a du flouze! Enfin, pas nous, mais eux! Gênance totale! C'est parti! Vous voulez danser, madame? Non? Oh! Barracuda! 3, 2, 1! Soir. Alors. Zébardi! Zébardi ce soir, ambiance de dingue, bâché, ambiance de folie. Est-ce qu'on est à Emisa? Non, parce qu'on a pas les thunes. Excellent. On va claquer des boules là. La entrecôte, on a de la bière, on a. La entrecôte, elle est pas venue ici pour être là. Hein. L'entrecôte, on vient de la manger. Hein. Mais c'est la contre-soirée, non? Allez, regardez! Pookie! Mais Pookie! Allez, mais Pookie! Mais Pookie! Aya Nakamura! Ouais, plus fort! Caca, caca, Pookie! Faire la porte à la Pookie dans le sac! Pookie, Pookie! Hey, je suis boueur! Oh, t'es chaud ou pas? Doucement, Marion! Doucement, Marion! Marion, mec, François, il est tombé. T'es sérieux? La mais vous aviez pas fermé vos mains? Mais je t'ai dit d'aller doucement. Tu vois que tu l'as eu. En tout cas, c'est sûr, on te voit par terre. Tu t'es accroché derrière et t'es parti. Mais c'est pas moi, c'est Pierre. Pierre, t'es un malade. Regardez-moi cet homme-là. Le warrior incroyable. T'as vu, je t'ai protégé. Oh putain, mec, t'as vu? T'as le sacrifice. T'as fait combien de petits, toi? T'as fait quoi? Ouais, c'est bon. Ah, au top. Merci. Vous êtes fous. Ah, je suis. Ah, regarde-moi ces abdos, totalement inexistants. Pourquoi? Beaucoup de bacalhau, de francesinha, et qu'importe le plat portugais. Beaucoup de leite, cochon lait, c'est vraiment bon ce truc. François, est-ce que tu manges portugais quelquefois? Ouais. Tu m'as... Moi, du béton. Donc ça, c'est Liberty Rider. Une équipe de malades, une équipe jeune, dynamique, qui blague tout le temps, mais qui sait être sérieuse, et qui sait être là pour les motards. Mais mec, je parle sérieusement, arrête de rigoler. Fait que tout le monde est prêt et nous on est dans la piscine. Ouais, mais elle est bonne. Elle est bonne sa mère. Elle est bonne sa mère. Et je pense que la piscine. Tarpée bonne. Je pense que la piscine twerk sur la piste. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mec? C'est pour moi qui danse.
On a une chaîne YouTube parmi nous. Manu, Liberty, Rider. Une équipe tête dans tout. À 10h là maintenant. Ah, t'as vu tout à l'heure? T'as aussi posté ses fesses. Oh oui mec, t'as posté mes fesses sur Instagram. J'ai vu les caméras. Je suis un sushi, elles sont gommasses. On va voir l'extrait vidéo de la caméra parce qu'ils font un reportage par rapport au bol d'or et ils sont vraiment bêtisés. On marquera un peu le thème bien sûr. Mon ami Sushi, hier tu t'es confié à nous. J'ai ressenti en toi et dans tes yeux ce bonheur de nous dire que tu allais bientôt vendre ta MT-07. C'était tellement bon. Merci. Bye bye. À l'année prochaine, Sophie. Et avec ton caleçon, s'il te plaît. Oui. Dernier collection caleçon. Mon meilleur moment, c'était l'avant-dernière journée où on a roulé très très fort. Tout le monde a souvenir très très fort parce que moi, habituellement, vous le savez, à Paris, à part des burns, je fais pas grand chose. Donc là, je me suis découvert avec des motos de folie, avec des amis de folie et une équipe que je ne connaissais pas, incroyable. Et sans vanter tout leur mérite, on a passé la meilleure journée. En tout cas, j'ai passé mes meilleures expériences de motards. Donc, merci à tout le monde. Il met des frissons. Il est bon.